Je vous donne le acte qui fait de vous le président de Compact BP. Ils sont au total 13 membres de bureau à être investis de plein pouvoir pour présider les destinées de la toute nouvelle organisation professionnelle des artisans barmen du Bénin, en abrégé OPA BB. L'équipe présidée par Horacio de Souza porte sur elle la responsabilité de valoriser le métier de barman et par ricochet, le tourisme béninois. Ce soir, c'est une grande joie qui m'anime d'être élu officiellement délégué de l'organisation professionnelle des artisans barmen du Bénin. Le métier de bar, c'est vraiment un métier vraiment très très passionnant. Un métier qui nécessite de la créativité et de la compétence. Contrairement à ce que pensent les gens, c'est comme quelqu'un qui sait tout derrière le bar. Non, c'est de la compétence et ça s'acquiert. Les actions à mener au cours de cette année 2023, c'est d'abord, en premier lieu, valoriser le métier. Valoriser le métier et réunir tous les barman dans un creuset afin de défendre les droits et les intérêts des barman qui sont au Bénin. Dans cette mission assignée aux membres de la nouvelle association, le soutien des fêtiers du secteur de l'artisanat ne fera pas défaut. Je félicite ceux qui ont accepté rester devant cette organisation. Ils vont donner leur temps, leur argent, leur personne même pour que ce métier puisse grandir. Nous nous sommes disposés à vous aider, à vous accompagner, à ce que vous trouviez des solutions à vos difficultés. Je voudrais vous dire simplement qu'aujourd'hui tout est vraiment organisé en telle enseigne que vous ne pouvez pas être artisan sans vous mettre ensemble aujourd'hui et attendre quelque chose de l'État. Ce n'est pas possible. Quand vous êtes à un poste donné, vous devez comprendre correctement et savoir votre rôle. Le délégué ne va pas de moment jouer, prendre le rôle du SG, le rôle du trésorier général. Il y a les délégués dans les associations, même sans voir le secrétaire général ou prendre des décisions, non. Nous, en tant que fêtiers, nous allons faire ce que nous pouvons pour que vous sortez la tête. Mais il faut que vous-même, vous vous donnez à la chose. Une chose est de faire le congrès, de sortir l'organisation, mais l'autre chose est d'avoir des projets vraiment pertinents. L'autre chose est de travailler pour vraiment démontrer que nous sommes là. Réunis au sein d'une association professionnelle au sorti de ce congrès constitutif, les barmen du Bénin doivent désormais œuvrer ensemble pour l'essor de la corporation à travers les nombreuses réformes en cours dans le secteur du tourisme au Bénin. C'est une nouvelle association qui est créée et pour nos collègues qui sont dans les bars, nos collègues artisans qui travaillent dans les bars. Et l'objectif, c'est de valoriser le métier de barman, c'est de le faire connaître pour que en ce moment où le tourisme béninois est en plein développement, il puisse mieux être connu et mieux jouir de cet noble métier qui est le métier de barman. Je suis venu ici avec beaucoup de plaisir puisque je découvre la création d'une nouvelle association, l'Association des artisans barmen du Bénin. Et c'est une excellente initiative qui va permettre de faire monter, en niveau, de faire monter en qualification l'ensemble des barmen du Bénin. Et le Bénin a vraiment besoin de ça pour développer sa politique de développement du tourisme. Donc je ne peux que féliciter cette initiative et nous allons l'accompagner en proposant que le programme Arche Formation vienne conforter cette association par la mise en place de formations adaptées à leurs besoins. Inscrit dans la branche 1, agroalimentaire, alimentation, restauration, dans la nomenclature des métiers de l'artisanat au Bénin, le métier de barman est aujourd'hui en plein essor dans le pays. La mise sur pied de l'organisation professionnelle des artisans barmen apporte donc un nouveau souffle pour la valorisation de ce corps de métier au Bénin et dans le monde.